Avec les chants d'Almacé, ça pourrait être court. C'est comme... Oh! Ouais, ouais, ouais. Hello! Avec la belle Karim Champagne. À quoi je m'attends? À tout. Rien de moins. Mes attentes sont là parce que, dans le fond, je ne sais jamais à quoi m'attendre avec Karim. On va y aller dans le flow. J'aimerais par contre peut-être que Marie Makeup accouche sur scène. C'est toujours très excitant d'être avec Mel sur scène. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est plus de l'excitation. C'est vraiment de l'excitation. De la fébrilité et de la joie. Beaucoup de joie. Donc, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble aujourd'hui en deux mois? Parce que je peux me mettre des coiffes extravagantes sur la tête. Puis c'est juste de l'authenticité, puis du fun, puis du partage. Puis fait que j'ai pas d'attente vraiment. Je suis juste contente d'être là. J'espère juste ne pas pouffer de rire avec les plumes sur la tête. Regarde, tout est possible. C'est ça le message. Que Mélanie ait fait son coming out. Je suis contente qu'elle ait parlé de ce qu'elle fait maintenant parce que je pense qu'elle a vraiment un immense talent pour coacher, pour vraiment faire dénouer des blocages. La vibe paillette, là, c'est comme la meilleure vibe du monde pour parler de tout ce qu'on a envie de parler parce que c'est vraiment dans un échange de contributions. J'ai senti que les filles étaient non seulement à l'écoute, mais qu'il y avait un réel besoin et envie de transformer quelque chose. Fait que, it's a match! It's a match! Mélanie Gallimé paillette, hein! Voilà!